Et bonjour à tous, bonjour à tous. Tac, c'est bon, on est bien à l'antenne, excellent. On est en direct pour la Watt, la suite des playoffs. Et c'est une place en demi-finale qui se joue. Et pour cette belle soirée, du coup, je suis Zaid et je serai accompagné de mon co-caster, Dracture. Dracture, est-ce que ça va? Ça va, et toi, Zaïd, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Je te le dis, hein, je suis très très honoré, très excité de vivre cette soirée avec toi. Quel est l'élo à peu près des deux équipes? Ça va être entre du bronze et du gold. Il y a pas mal de gold. Voilà. Et surtout, on aura beaucoup de spectacles. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Et donc ouais, c'est une place en demi-finale qui se joue pour affronter les CS La Cassagne. Exactement, ouais. Tac, donc c'est un round, ça va être un premier round de playoff. Un petit prono, c'est dur à dire, parce que j'avoue ne pas connaître énormément de joueurs qui jouent ce soir. Je vais jouer l'impartialité et pas mettre de pronos. Et toi, Arthur, est-ce que Ouais, je t'avoue que moi non tu plus, restes ouais, tu restes je vais impartial. rester Ce soir, impartial aussi. on va rester impartial avec Dracture. On a beaucoup casté ensemble, mais une équipe dans laquelle, une équipe de notre club. On a l'habitude d'avoir un stream. Pas souvent impartial, mais là pour ce soir on va faire exception. Bonsoir, Est-ce que bonsoir, tu qui peux ça? rappeler le nom des équipes, Bien les aides? sûr, alors c'est le titre sur Twitch, mais je vais le rappeler quand même. Ça va être les Watsium qui vont affronter les Harmony Obscene. Voilà. Ok. Tac. Les Watsium contre les Harmony Obscene en division 11. Tac. Normalement, vous avez le titre sur le stream. Sur le stream aussi, vous voyez la collection de maillots 2023. Hop. Et donc voilà. Et pour parler des joueurs, ils ont l'air prêts. Je pense qu'il n'y aura pas trop de retard. Hop. Donc il faut rester à l'affût. Hop, il y a une alerte. Tac, je l'ai pas eu. Bon, est-ce que tu es prêt, Dracture, pour ce match? Ouais, bien évidemment, je suis prêt à tout là. Comment dire? T'attends que ça joue, quoi. Exactement, j'attends juste que ça joue. Bon, du coup, en attendant que les équipes se mettent en place, on va essayer de combler un peu. En vrai, est-ce que vous avez regardé le match de G2 contre Gen.G aujourd'hui? Oh oui. Oh oui. Alors, quelle est ton impression, mon Disons cher Zayn? que. Disons que les deux premières games nous ont effrayés. Et les deux d'après nous ont rassurés. Je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense. Le Et fait toi? déjà d'avoir pris une game, déjà, moi je trouve ça vraiment incroyable déjà. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Surtout qu'après les deux premières. On n'était pas serein. Hop. Ah, la deuxième, c'était catastrophique. C'était un peu painful, ouais. Hop. Ah, du coup, faut baisser mon son. Je sais pas si t'as vu dans le chat. Ah. Alors attends. Mais attends, je fais comment? Enfin. Ok, je vais essayer de baisser le son de mon bureau, du coup, en global. Et j'espère que le. Tac. Ouais, et j'espère du coup que le son du jeu sera bien. J'imagine. Ok. Concentre-toi. Ben, vas-y, pas. Enfin, toi, t'en as pensé quoi d'aujourd'hui? Ouais, de G2, est-ce que. Tu les voyais prendre une game ou. Bah en vrai franchement, non, vraiment, je pensais vraiment pas qu'ils allaient prendre une game. Je suis assez content du coup qu'ils aient pris une game.
Parce que c'était même en fait même celle, la game qu'ils ont gagnée, elle était vraiment compliquée. Hein. Vraiment, est-ce qu'ils ont dû faire pour la gagner? Ouais, c'est vrai. Fallait vraiment qu'il se soit pixel sur toutes les lanes. Genre la performance de Yike était incroyable aussi. C'est vrai que Yak, il est quand même très régulier, hein. Franchement. Et Bibi, bien perf aussi. Non, franchement, il y a quand même des signes rassurants pour loser bracket. Enfin, c'est quand même bête que on a, enfin, Mad et G2. Enfin bon, on verra si Mad bat T1 demain, mais petit Ouais, prono dans le chat, T1 Ouais. Mad. Vous Bon. avez un avis à donner sur le BO d'aujourd'hui, peut-être aussi? Je pense qu'il y a pas mal de copium. Hop. Ok, 3-1 Ok. T1. Je te donne le code tournoi, tu vois. Ok. Ok. Hop. Et nous on est prêt. Et pour parler de la draft un petit peu, alors moi pour avoir vu les OPGG, tac rapidement. Donc on a des WTS assez polyvalents. Franchement, c'est dur de target ban. À part peut-être en jungle, et encore. Non, je sais pas. Non, Il même a de pas la en jungle, vaille. il joue tout. Il a de la vaille très récemment. On a un main Vel'Koz au mid, est-ce que ça peut déranger? Non, c'est pas facile à les ban. Un gros win rate sur les MF aussi. Et du côté des HOB, tac, des Obsen, on a une belle Caitlyn. J'ai vu un truc moi qui m'a tapé un petit peu dans l'œil, c'est la petite Nico au mid. Actuellement, bon, c'est pas mal Nico. Donc Comment j'ai ça? hâte de voir s'ils peuvent la sortir. Comment ça, Nico mid? T'es sûr ça se joue? C'est le mid laner Faut, qui le joue? enfin. T'es sûr il le joue au mid? Oui, Mais Lina non. l'a joué. Oui. Mais attends, mais. Et tu Donc fais. Du coup tu fais des à lane tout moment, un gank? Tzibir peut se transformer Du coup tu fais des lane gank. en gank, ouais, ça Ah peut ouais, être non mais. incroyable. Mais j'avoue. En plus ça va, il. Ça gagne hein, quand même. Avec. Ok, bah écoute, on verra. Tac. Hop. On va voir. Très curieux de ce qui va se passer. J'ai des alertes. Et bienvenue à toi, Advanced Romix. Romix pour les intimes. Ah, c'est vrai qu'on connaît Romix ici. On a fait votre pub. Y a pas de Ouais. problème. J'arrive pas à voir le mode studio avec toutes les notifs. Tac. Parce que sur Streamlabs, du coup, je l'ai pas. Je donne un peu les inside. Tac. Ok, donc j'ai le lien Draft LOL. Comment ça se passe du coup? Parce que c'est la première fois qu'on cast. Toi, t'auras la draft sur. Ouais, je le mets sur le stream directement. Ouais. Ok. Je veux dire la draft LOL, donc t'auras bien le navigateur et tout. Sur la draft LOL, donc je l'aurai sur navigateur. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ok, c'est ok, ça. ok. Ouais. Ok, il y a une équipe qui est prête. Ça va commencer sous peu. Hein. Préparez-vous, ça va lancer à toute berzingue. Ouais, c'est bon, nous on est ready. Fallait peut-être mettre ready. Hop. Hop, et dès que ça commence, on est prêt à basculer.
très hâte de voir les deux drafts qu'ils vont nous proposer. Quelle méta ça joue chez les deux équipes? J'ai vu qu'il y avait de la Jinx récemment. Peut-être qu'ils vont avoir une petite prio sur Jinx. Surtout que c'est très fort en ce moment. Stylé, Bruno. Ouais, Jinx, ok. Ça peut être pas mal C'est après. Bon, top méta ça ATM. dépend. Carrément. Faut voir si ça banne les mains ou carrément les champions en méta. C'est ça. Et ok. Hop. Ouais, on va voir. Moi je te dis c'est Vaille chez les Watchom ou Banned en face quoi. Mais je pense que ça first pick Vaille. Ouais, on verra. À voir, à voir, à voir. Mais Et du coup, ouais, Watsium, Blue Side et exactement. Harmony of Sand, Red Side. Exactement. Hop, quand vous voulez. Je crois que ouais, il y a une équipe qui est déjà prête. Ah, c'est sûr, on a deux belles équipes ce soir. Elles vont nous faire On va le faire elles vont nous faire vibrer. une belle deux belles prestations sur trois games, on l'espère. Hop, je vous rappelle, c'est un match à élimination directe hein, donc c'est win or die ce soir. Hop, et c'est parti. La draft est partie. Hop. Je vous la mets directement. Tac. Ok, ça banne Caitlyn Merde. du côté de Whitesium. Ouais, c'est vrai qu'il a joué 103 Hop. fois Caitlyn cette saison. Avec un plutôt bon win rate, 56%, donc on veut l'enlever. Exactement. C'est pas bête, du coup, ouais. La vaille, Du hein, coup, je comme tu disais suis. aussi, du coup, La ça banne vaille. la vaille. Je te le dis, hein. Après celui-là, c'était pas le plus dur, mais. Voilà, on enlève le Swain directement. Donc, peut-être une volonté de jouer assez short range. À voir. Ouais, probablement. Après, je crois Ah, que c'est le swing c'est le main du support, support ouais. En qu'on effet, enlève. ouais. C'est le main du support. Il a reçu un petit up. Moi, je le trouve très très fort le up. Hein. On dirait pas comme ça, mais le Q, j'ai l'impression qu'il fait quand même beaucoup plus de dommages, quoi. Ouais, donc ça enlève les pics de prédilection, j'ai l'impression. Ok, on enlève C'est ouais. la Lilia, les spammed hein, du côté de Poussin Sauvage qui nous spamme la brebis. Et on enlève la Jinx, qui a un très bon first pick, donc il enlève directement. Et on va se projeter sur un Jarvan pour les Watsium. Peut-être, ouais. Ouais, il est lock ce Jarvan. Jarvan, ouais, très, très très bon first pick Et en vrai, pourtant, ouais. Jarvan apparaît pas trop dans ses picks à notre ami Identix, le Non, jungle effectivement. Watsium. On va voir comment va répondre Redside. Mais du coup, dans un Jarvan, t'as pas envie de draft des carry immobiles. On va voir si. Ok, on va lock la Xayah. Après, c'est pas mal, tu peux quand même dodge le combo. Ouais, c'est Et qu'est-ce qu'on va faire? intéressant. À mon avis, on va secure le jungle. Peut-être un carry. Hein, peut-être un Viego, une Diana. Quelque chose comme Ou ça. Une même le Sejuani. Rakan aurait été bien, mais Une je sais pas s'il le joue. Sejuani, Ok. ok. Pourquoi C'est pas une jeune. Sejuani? Du coup, ça répond à des jungles. On va sûrement sécuriser la botlane. À voir, mais. Ce serait Miss Fortune. Ok. En C'est. vrai, Miss Fortune C'est. contre Xayah, je trouve que la lane est plutôt fine. Ouais, c'est clair. Après, à voir en team fight comment ça se Surtout, passe ça a exactement l'air d'être vraiment le main de avec le côté. combo Jarvan. Ça a l'air d'être le main de côté, non? D'ailleurs, la Ouais. MF, 83 games, 58% de win rate. C'est assez énorme. Et ben, c'est pas compliqué. La botlane Watsium va sécuriser les deux mains des botlaners.
Séraphine et MF. Donc assez statique. Hop, comment on va répondre en face? Sûrement par le Le support, support, mais c'est pas sûr non probablement. plus, on va voir. On a un bon Nautilus Angle hein, pour moi. Ok. Oh, donc ça veut sécure le Malphite. Je Qui trouve ça très a, malin. il a été nerf, je crois, hein, récemment. Donc c'est pas. Ça a été un petit peu équilibré par rapport ouais, à Ouais. la période où ça a été spam. Vraiment spam en solo queue. Après, tu vois, Donc pour. ouais, en vrai, pourquoi pas. Après, le Malphite, je le trouve très très intelligent de le piquer en 3 et pas en 4, alors que tu t'aurais laissé un ban potentiel. Là, tu le sécures en 3, tu vas avoir une arme d'interruption du combo Jarvan et MF. Et même l'ulti Séraphine qui combine. Je trouve que c'est un très bon pick. Surtout que tu peux pick le support en 4 et avoir le counter au mid en 5. On va voir comment ça se passe, mais très très malin. Et du coup, on enlève le Vel'Koz de Romix, très réputé pour sauver le cause. Exactement. Hop. Mais ouais, effectivement, en plus, est-ce qu'il aurait pu rentrer dans la draft? Il y a moyen, donc ouais, c'était un très très bon ban. On Et du coup, ouais, enlève on le target Nautilus. le petit Romix, hein, j'ai l'impression. Clairement. Attends, le petit remix. Et du coup, qu'est-ce que ça répond comme ban? Ça répond soit Ziggs. Ziggs a été ban, je sais pas s'il le joue énormément. Ouais, il le joue un peu, il a un très bon winrate dessus, donc en vrai c'est un plutôt bon ban. Est-ce que il aurait été Clairement. dérangeant? En vrai, oui, contre MF, vu que c'était très statique, en vrai, c'était un bon ban. Oui, tu l'as annoncé. Et Oh non, mais. Oh non, Odrakture. Et du coup, là, Nico! Tu Et l'as en plus, annoncé. c'est quoi? C'est même pas du bon côté, c'est... Attends, est-ce que... Si, en fait, c'est du bon côté, Si, my bad, si. c'est du bon Si, côté. si. Rien n'est Je laissé pensais au hasard. qu'il l'avait... Ah ouais, Je non, non, pensais non. qu'il l'avait enlevé pour Là, counter en face, c'est mais non, en fait, du l'harmonie. coup, c'est bien du bon côté. Non, c'est bien l'harmonie qui Et... sécurise cette Nico mid. Et ouais. Très, 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 très hâte de voir. Allez. Très très hâte de voir ça. Du coup, on a quand même une compo harmonie avec beaucoup d'AP. Avoir le support, mais du coup, on n'aurait que la Xayah vraiment qui peut poser ses dégâts AD de manière fiable. On va voir le Ouais, blind mais au que ce soit mid. d'un côté ou de l'autre, pour le moment, je vois pas énormément de dégâts AD. Yep. Ah oui, c'est... Et au mid, Effectivement, c'est il n'y le a vraiment pas de Aurélion. dégâts AD Oh pour le là là! moment. Ce Aurélion. Pour le coup, il est une game pas si facile, ce Aurélion. Dans Sejuani Malphite. Force à lui. On va Après, voir. ça scale, ça Parce que scale. pour le coup, alors dans la comp, je trouve que le pick va être dur à manier. Mais pour le coup, dans le 1v1, ça va être C'est vrai que gérable. contre Nico, c'est plutôt pas mal, ouais. Et Parce un que du coup, pour Trindle à speak Nico. inst. Oh là là. Le petit Instapic. Trindamer, ah, c'est Bolzi, c'est Bolzi. Le Trindamer. Et on Mais a attends, notre mais je suis en train de draft. réfléchir à un truc. C'est Nico Sup. Je vais la laisser un Attends, qui est peu le et. support? Attends, mais. Ah oui, attends, parce qu'on Qui attendait le est le support. support du côté de On Harmonix? attendait le support. Mais oui. J'avais même pas tilté. Est-ce que c'est Malphite Ah, ou Nico? ça va être une masterclass, je vous le dis hein, tout de suite. Déjà, Non, c'est Malphite. juste savoir qui va sur quelle lane, En vrai, ça peut être Nico et Malphite. j'en ai la chair de poule. Non, mais c'est Malphite, je pense. Je pense qu'ils se sont dit dans. C'est sûr, c'est Malphite. Ils se sont dit dans MF et Séraphine. Dans MF et Séraphine, on a la possibilité de les shutdown les deux, elles sont immobiles. On va prendre un support qui engage tout simplement quoi. Qui va cut ça Ouais. donc donc ouais Ouais, c'est donc juste Malphite est une possibilité. Malphite support, ça va. c'est bien ça. Hop. Et les WTS qui sont là. Hop.
Ok, donc ils ont lancé la. Ok, petit désastre. Hop. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est problème de sel. Qu'est-ce que... Tranquille, tranquille. Ok. C'est vrai que Bon j'ai pas eu bah le vas-y temps de hein. j'ai pas eu le temps de la refaire. Hop, mais c'est pas si grave vu que c'est des LoL draft. Ok, bah en tout cas ce Trinda, du coup ce Trinda il va être face à Mordeux. Et du coup, alors toi qui es top laner, est-ce que tu peux nous raconter un peu sur ce match-up? En vrai, le match-up est vraiment dur pour Tryndamere. Après, s'il joue vraiment bien et qu'on force quelques ganks avant le niveau 6, c'est toujours possible qu'il y ait un retournement de situation. Et puis, s'il a le lead, à tout Ok. moment, il peut rouler sur la game. Ok. Mais ouais, match-up pas facile pour Tryndamere. Écoute, on va voir. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, c'est bon. Ouais, c'était juste un petit bug. Ok. Mais du coup, ouais, c'est bien Nico Mid, j'ai l'impression. Ouais, c'est. Si les pics ont l'air d'être dans l'ordre, hein. Écoute. Hein. Ouais. Donc, Nico contre Aurélion, qu'est-ce que t'en penses, toi, Zayd, qui est Ah. main mid? Eh ben, je sais pas si Nico a les armes pour être un bon mid laner Est-ce que t'as déjà avec. face une Nico récemment? Ben non, parce que j'ai l'impression que le pick est fait pour surprendre en jungle quoi. Je pense Ouais. que si tu ne surprends pas avec la forme de minion, plante ou etc., enfin, t'es vite rattrapé par ta range qui. Voilà, t'as rien pour gap close, t'as rien pour te rapprocher de l'adversaire, l'all-in quoi. Donc je me demande bien comment il va jouer ça. Après il a Est-ce l'habitude. qu'il n'y aurait pas une possibilité, par exemple, imaginons, il se transforme en sbire, il va sur la lane tout Avec tranquillou, son bac. et je sais pas, le jungle vient, mais vu qu'il n'y a pas de mid laner, tu vois, le mid laner en face, tu vois, bah, tu vois il, comment dire, hein, il fait pas attention, Ouais. et puis voilà, genre, ça peut passer, tu vois. Oui, c'est clair. Alors moi pour le coup, si je suis très curieux de voir, je suis très curieux de voir les resets de la Nico. À chaque fois qu'elle reset, faudra avoir un œil sur elle parce que elle peut lane gank sur les sides, surtout au bot, je pense. Ouais, surtout Et au bot, ouais, je pense. elle peut, enfin ça peut faire des dingueries. Hein. Et même sur un reset mid, elle peut revenir en même temps que la wave si elle. Alors du coup, faudrait qu'elle reset après l'adversaire. Mais si elle reset après l'adversaire, ça veut dire qu'elle reviendra après lui, et imagine qu'elle revient après lui avec la wave. Ouais, effectivement, C'est. ça peut Et être drôle. pour le coup, enfin, je pense qu'on est beaucoup là à avoir affronté des Nico jungle. C'est surprenant. Souvent, on fait pas gaffe au nombre de CS ou quoi, et ça punit. À moins que, bon, le canon se déplace comme Alors, s'il était moi, bourré. j'ai vu un clip récemment, genre vraiment, genre limite, genre, je sais plus comment il s'appelle, mais genre c'était un joueur pro, et genre il y avait un bleu qui se baladait sur sa lane, et il s'est pas posé la question, genre. Et vraiment, il Ouais. s'était dit en mode, mais c'est normal en fait, genre c'est Ouais, juste un non bug du jeu, mais je te mais jure que il fait pas des du fois tout. tu non mais des fois tu fais pas gaffe Ça hein. surprend, ouais. Ouais, c'est Non ça, mais ça surprend de fou. c'est clair, c'est clair. Ouais, du coup ben les harmonies qui m'ont fait mentir quand j'ai dit que c'était du full AP avec ce train de la speak. Ah ouais, Ouais. c'est un main. Après, est-ce que c'était un flex? C'était peut-être un flex. Après, je pense pas du coup. Hein. C'est vrai que ce Malphite, il avait du sens dans cette botlane. Et encore plus avec ce Aurélion. C'est vrai que le Malphite Après, a l'air. c'est vraiment rare les Malphite support. Je me demande comment ça va jouer. Clairement. C'est Clairement, vraiment un clairement. pic de niche, quoi. Yep. Hop. Parce que du coup, qu'est-ce qui prendrait comme item support? Je suppose qu'il prendrait le Targon. Ce serait le plus logique. Oui. Après, il peut quand même poke avec sa petite pizza là. Non, non, mais enfin, s'il part bleu, bref, enfin, c'est dur quoi. Ça m'a l'air compliqué.
Non, ce sera Targon a priori. Et du coup, on a eu un Jarvan first pick et on se retrouve contre deux carry immobiles, donc c'est pas si mal pour le Jarvan, il va avoir une game. Tac, à Ouais, il voir. a pas mal de setup en plus sur À voir comment ça se tous ces déroule. gants. Je sens qu'on est à l'aube d'un banger, Arthur. Tac. Hop. Bon, ouais, j'ai l'impression des deux côtés, vraiment, c'est du wombo combo. Donc, ouais, ce sera la team qui prendra l'avantage, Clairement. qui l'aura en team fight et qui pourra dérouler la game. On va voir, ça va se lancer dans quelques secondes. Hop. Hop. Ok, faut que tu me dises ton temps de jeu. T'as combien là? Bah on se met au max, hein. On se met au max, pas de Ouais, souci. on va se mettre au max. Ok, j'y suis. Hop, je règle juste ma minimap pour que ce soit là et hop. J'avais fait les réglages, mais ça s'est enlevé. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Hop. Et normalement, on est parti directement. What? Si tu veux, Pardon? j'ai des raccourcis là. Jarvan? Ouais, Jarvan. Jarvan qui se fait plaisir là. J'accélère un petit peu et normalement, on est synchro. Hop. Est-ce que t'as les raccourcis pour le mode spec? Parce que je peux te les donner si tu veux. Ouais, non, c'est bon, j'ai tout. Il y a eu un peu de prépa, on a bossé, hein. Ok, Y a pas de problème nickel. pour arriver prêt. Les sbires sont apparus. Et donc, c'est parti, les sbires sont apparus. On a un Jarvan qui a foncé ce tour. J'ai pas bien compris la stratégie. C'était peut-être un. Il est peut-être en train de régler sa playlist Spotify. Va savoir. Ok, et du coup, du côté du Malphite, on prend Targon, c'est bien ce que je disais. Ça commence blue sur le blue des deux Ah, côtés, donc ça commence. Sejuani va arriver, enfin je suppose qu'il va gank top side, donc soit top, soit mid. Et le. En vrai le Jarvan, il a plusieurs choix. Il peut gank level 2, ou même level 3, mais il est pas obligé de full clear quoi. Yes, carrément. Sinon, il ira bot lane directement. Faire attention au timing gank du coup. Au top, ça trade, ça veut aller jusqu'au bout, hein, j'ai l'impression. Et le gosse qui a été claqué, ok, ça force le flash. Le mordé qui. A pas beaucoup de vie du coup. Va falloir faire très attention. Petit trade sur la bot lane, le niveau 2 qui est pris par l'équipe Red Side. Et on va arriver à zoner. Ah, par contre, j'ai pas les pseudos. Je vais les mettre rapidement. Hop, très bien. C'était pas plus court que ça. Donc Enfin, ouais, pas le plus mort long des Kazox plutôt. s'est pris vraiment un trade désastreux. Du coup, bon, il est un petit peu en retard au CS, mais ça va, il a réussi à avoir l'XP. Carrément, et là C'est on a un Jarvan principal. qui arrive, hein, sur un très beau rappel de plume de l'Axayah, mais du coup il est plus en CD et on va sûrement se faire attraper. Très beau flash. On a mis le combo Jarvan très rapidement et il va être l'OHP. Le first blood va être récupéré par les WTS. Est-ce que ça va trade kill? Le super rappel de plume qui est revenu à temps. Flash in de l'AMF et ça va prendre le kill pour Coated. Et effectivement, Coated qui s'est fait surprendre quand même par la Xayah quand même. Que Ce rappel d'action! de plume dévastateur. Enfin, c'est. Non mais là on a eu déjà de l'action formidable et on a eu ouais un flash in double summoner. Il y a plus beaucoup de summoners, hein, sur la bot lane. On a que les flashs des supports pour la faire courte. Très beau route de Nico, on va trouver le E into Q. Et du coup que d'action. Et aussi put sur la bot lane, ben ça va être un cercle vicieux, on va devoir jouer bot, là c'est Johnny qui arrive mid. Est-ce qu'on peut interrompre le vol de ce Aurélion? Et oui, on va le tuer.
Il a pas eu le temps de react pour Flash. Ah, il a pas eu le temps de flash, C'est... ouais. C'est Ouais. dommage pour lui. Mais ça va, il a sa TP, il va pas perdre des masses. Oui, surtout Est-ce qu'il qu'il TP? a 10 CS Qu'est-ce qu'il d'avance, fait? donc c'est plutôt fine. Il attend un item peut-être, il TP directement. Ça agresse énormément au bot, j'ai l'impression. Et mais du coup, la punition Hop, et instantanée du le Jarvan. combo, hop. Ah, il est un peu essoufflé là, le Jarvan, il doit partir et on pourra pas punir la botlane HOB. Et finalement, ouais, c'est cette domination de la botlane HOB là, de Mayu mec Wok. Xayah, t'es Je sais très pas à du tout si l'aise. tu prononces bien, Ouais, moi non plus, mais mais... on va pas. Mais Ok. effectivement, ouais, il domine bien en lane. Ouais, ça montre un peu qui est le patron ici, j'ai l'impression. Monte les biscottos. Et attention parce que ce Morday, il se retrouve dans une situation de lane où il peut se faire all-in. Ouais, c'est ça. Et ouais, faut faire attention au passage level 6. Voilà, c'est ça de Parce que Pablo. le passage level 6, je sais pas qui le gagne. Je Mais pense que. normalement, étant donné qu'il a TP, il devrait avoir plus d'XP et Ouais, il donc a un avoir peu son plus limited d'XP. serum. Il y a un peu plus d'XP du côté de Trinda, donc attention, parce que là, si on n'arrive pas à faire crash cette wave, ça peut être compliqué. Et là, il peut avoir un all-in, hein, le Trinda. Le Trinda de Pablo. Après, il y a Et beaucoup de shield. Hein. ici, Oh, il le prend. Oh, il le fait. Il le tente, le gosse qui est claqué. Attention. Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu qu'il y a son 6? Il veut. attends, parce Il qu'en essaie vrai, de passer 6, Morday. mais ne montrez-nous pas. Il se passe aussi quelque chose, bot. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Johnny qui cancel. Et finalement, au top, ça va cancel. Et on a le Jarvan qui va être là pour accompagner le. Et il y a Le plus d'œufs sur Mordekaiser et il n'y a le. plus l'ulti. La mer, attention, donc il y a un dive possible. Est-ce que ça veut dive? Est-ce que ça veut dive? Le Jarvan se montre. On a le canon qui tank un petit peu. La griffe. Le combo. Attention, ils sont très loin du coup de ce Trinda. Ah, ça. Ouais, ça peut pas aller plus loin. Heureusement, Dommage le. parce Ouais. que. Ah, un tri de la mer sans ulti, c'est presque un CS, quoi, donc c'est dommage. C'est ça, c'est dommage. Ouais, finalement, cette arrivée de combo. Elle était lointaine hein, quand même. Oui. Après, heureusement, on a bien joué les swaps d'aggro. Mais au Ça moins, aurait du pu coup, être ça force un catastrophique. crash. Donc le tri de la mer a perdu pas mal de CS. Ouais, clairement. C'est vraiment. Ça joue beaucoup topside, j'ai l'impression. Non, ça reste pas mal et on n'en parle pas beaucoup, mais ce Aurélion qui a déjà 20 CS d'avance. Et quand je te dis que ça joue encore topside, ça joue encore topside. Et ouais, avec Et... le cochon, il est là, c'est Johnny qui essaie de toucher ses sorts, le Mordé, il a l'air condamné, quoique, avec l'octogone. On va le claquer, est-ce qu'il a les dégâts pour venir à bout de la c'est Johnny, ça m'étonnerait. Il essaie de repartir et c'est le Trinda qui va le ramasser à la petite cuillère, Pablo, qui fait ses comptes. L'enjeu, j'ai l'impression que ça joue topside. Ah! Mais Et du coup, là, le oh la Rome. planète! La maxi Ouais. planète! On va trouver le combo, c'est super bien joué! Quel rom de la part d'Aurélion! C'est lui qui arrivera à trouver le premier rom et son premier doublé! C'est super bien joué Et de sa part! ça offre le Drake en Il a pas plus, été donc vu? c'est. Il a. Je crois que si. C'était wardé, Ouais, il était vu. il a été vu, c'est dommage de la part de la botlane! Et on va récupérer le Drake en plus de ça! C'est une game avec beaucoup, beaucoup d'intensité qu'on est en train de vivre! Oui, ça joue. Surtout bot et top. Hop, combo Bon, la Jarvan. mid lane, il est un peu délaissé. Bon, moi, j'ai l'impression que ouais, le match-up s'annule un peu. C'est celui qui roam le plus vite qui gagne, j'ai l'impression. Clairement. Et du coup, on a un Aurélion accéléré. Hein. Il a déjà Lost Chapter Codex avec sa tire en plus. C'est un starter royal là, pour l'instant. Ce Aurélion qui mène la danse. On va voir. On va voir parce que la botlane HOB était très très bien d'entrée de game, mais ce gank Jarvan leur a fait très mal. On va voir où se tournent les deux jungles. On a des clears au spawn des camps, très standard. Hop. Et Et en tout pendant cas. ce temps, sur la mid lane, ça commence à s'agresser.
On voit Un que très l'Aurélien, très du bon coup, avec ses trade. 2 kills, a pris l'avantage. Gusto Pinel qui. Ouais, qui trouve ses trades. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des jungles, je trouve qu'ils sont très pertinents dans leur choix de. Dans leur choix de jeu. Le flashing de la Nico avec l'Ignite. On décide d'all-in sur l'Aurélion et en all-in on gagne parce qu'on a plus de burst. On va venir à bout de cet Aurélion, il y avait un shutdown. Et on enchaîne directement. Là c'est Joanie qui met tout sur ce Mordet, ils sont dans l'octogone et c'est le Trinda qui va prendre le kill avec son ulti, c'est très très bien joué. Et pour Et. l'instant, le Jarvan a réussi à récupérer quand même le kill sur la Nico. Exactement, comme tu le dis. Donc c'est. Il a même pas eu Ouais, besoin de flash ulti, donc c'est royal. ça se rend les coups, ça se rend les coups. C'est très even au niveau des golds. C'est ça. Et on a, c'est Joanie pendant ce temps qui fait l'Herald aux alentours des 10 minutes avec cette pression top. Sur le Trinda, je crains qu'il devienne incontrôlable. On va voir. Hein. En tout cas, on a une égalité parfaite au gold. On s'apprête à vivre un banger. Hein. Ça me Ouais. semble assez indéniable. Mais pour Qu'est-ce qui. réussir Attends, qu'est-ce qu'il nous à fait faire sur la Aurélion? différence. Ah, il Ah. veut. Attends, ils ont oublié l'œil. Mais non. Ils avaient oublié l'œil, donc Ils du avaient coup il a oublié l'œil. Du perdu coup, Trinda va le peut-être se contest. sacrifier. On va voir, il part. C'est bon. Il est safe. Il va perdre un peu de tempo, mais c'est. Pas si grave peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut quand même récupérer sa wave top. Il back. Il est en train de back. Du coup, ouais, dommage pour cet œil oublié. Ça coûte quand même un peu. Ah, Mais ouais, que c'est lui fait. enlever sa barre de vie, mais bon, il va revenir en lane avec full vie. Il aura pas si, il aura son flash. Donc normalement, pas de problème là-dessus. Et Gusto Pinel qui fait deux builds en même temps. Il va faire le Riley, je pense. Mais pourquoi avoir fait le Codex? Ouais, en fait, je pense qu'il avait pas assez pour son Liandry. Du coup, il s'est dit, je vais faire explosive en anticipant L'oreille est. le Riley, ouais. Ok. Exactement. Est-ce que botlane, est-ce qu'il y aurait une engage? Ouais, voilà, une petite engage Et de le. Malphite. Ça Exactement, force le le. flash. Et Et elle du va coup. tomber quand Ah. même cette Séraphine. On a le. Là, c'est Joanie qui essaie d'enchaîner, mais ça s'arrêtera là. Et au top, qu'est-ce qu'on a? On a un Trinda qui est très très énervé. Sa rage est au max. On va claquer l'ulti quand même. On sait jamais sur un coup de patte. Mais attention, là, c'est Aurélion qui va essayer de ramasser. Ça passera pas, ça passera pas. L'Aurélion qui décale pour rien. Et c'est la Nico qui se met bien là sur la mid lane. Elle va gratter de la plaque. Et oui, j'ai l'impression que c'est carton plein pour le moment pour les HOV. C'est clair, le Jarvan, est-ce qu'il va trouver l'ulti sur Xayah? Oui, le rappel de plume qui est très beau sur les deux personnes. On va reculer tranquillement, mais on prendra son flash quand même à la Xayah. Oh, le combo qui est raté, le flash combo qui est raté. Que c'est dommage, mais la Xayah, c'est le burst de la MF qui prendra l'avantage. On a un Malphite qui essaie de trade kill, c'est bien fait, il va tomber quand même ce Malphite. Et c'est Jarvan qui va se ralasse, qui va se mettre très bien. 2-0-4 pour le Jarvan 4. Et c'est quand même un 2-0-4 qui nous propose, c'est C'est splendide. difficile à suivre quand même parce que ça joue vraiment des deux côtés en Ah même oui, temps. non mais des fois ça trade sur trois endroits en même temps, c'est. On est mis à l'épreuve hein, ce soir. Mais du coup, ouais, bilan de tout ça, je pense que du coup Tryndamere est bien devant. Il va 1v1 Ah là le oui. Mordet sans problème. Et je pense que ça compense de l'autre côté avec bah, Ouais. du Et il coup pose MF. l'Hérald. Et il Trois pose kills. l'Hérald. Ouh là là, il va faire qu'une bouchée de cette tour. Hein. Il va laisser une plaque à la limite. Ouais, donc on voit bien quand même que du côté de WT, Attention, la Xayah qui trade. c'est la course au dragon, vraiment. Ça doit être leur condition de win. Qu'est-ce qu'on va faire de cette wave? Et au final, cette Nico qui s'est mise très très bien sur quelques opportunités qu'elle a eu, pardon. Elle n'en a pas eu beaucoup, mais elle les a saisies. Et du coup, elle peut contester maintenant la prio tranquillement avec son Ludon. On a les deux mythiques sur les midlaners. Et l'engage Ok, de la Nico l'engage, aussi pour le bah, c'est mid-lane. le all-in qui va passer. Hein. C'est. Ah, Ouais, Nico. ce Mordekaiser des qui est trop derrière, il ne peut plus rien faire, j'ai l'impression. Clairement. Mais Nico, c'est vrai que si tu touches ton E avec.
Le poulet qui a été placé sur l'Aurélion qui essaie de trade back. On a un Trinda qui est sous ulti. Est-ce que l'Aurélion peut trade back? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On va repartir. On va trade les ultimates. Et on a pris le gosse quand même du côté de Trinda. Trinda mère, il montre que C'est Johnny c'est qui a été lui le vu. Tchad ici, hein. C'est lui le Tchad de la top lane. Clairement. Clairement, clairement. C'est Johnny qui back. Le back a été repéré. Et c'est Nico qui va débloquer la première brique avant l'Aurélion du coup. Des millénaires qui sont clairement activés. La tourelle rouge a été détruite. Ouais, une tour partout, hein. Vraiment, ça répond exactement la même chose des deux côtés. Oh, attention à Tiefling, Yasuo, ouais, voilà. attention, là c'est l'ulti MF et il va prendre le kill sur la Xayah. C'est très très bien joué. On a une Xayah qui est en pleine souffrance là. Elle a quand même son Kraken, mais elle se prend beaucoup de choses dans la tête. Je connais des ADC qui auraient rage quit pour moins que ça. Ça continue, on a une MF. Très très devant du coup, hein, avec son Kraken. C'est Berserk qui est là. Elle a combien de gold sur elle? Alors, j'ai pas le. Hop. Désolé, désolé. C'est X, je crois. Ben. Ouais, mais moi, il est pas paramétré. Bon, c'est pas grave. De toute Aïe. façon, on verra bien. La pluie, c'est bien joué. On va reculer tranquillement. On a les jungle qui font leur passing jungle. Et là, c'est Johnny qui se dirige top. Est-ce qu'elle va vouloir dive? Parce que là, on n'a plus beaucoup de PV sur la tour. On a l'ulti Trinda qui est très très fort pour dive. Il y a clairement un dive angle. Elle veut dash ulti. Dash ulti peut-être. Parce que là, elle est vue. On a un Aurélion qui met la planète. Le double stun qui est super. Mais c'est le Trinda qui va prendre l'aggro. Donc c'est pas bon pour l'Aurélion. On va pouvoir repartir. Attention. Attention. Oh non, non, non. Il va Il tomber arrive à quand ulti quand même. même, Ouais. c'est plutôt pas mal hein, pour un Tryndamere avec un R et une Sejuani qui aurait pu, C'est bah, qui aurait ça. pu le lock à l'infini. Ça fait un kill, c'est plutôt pas mal. La Nico, l'Olin. Qu'est-ce qu'on a? Le Jarvan qui essaie de partir. Il survivra à un HP. Ok. C'est Jarvan qui arrive à trouver des kills par-ci par-là. C'est ça, c'est. On voit que ouais il voulait prendre cette. Ah, ah la fameuse Nico, le La fameux fameuse kill de Nico, même Nico. nous on s'est fait avoir! Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, le Mordé va reculer tranquillement. La tourelle rouge Mince. a dû surprendre le petit Mendicator qui du coup bat en Hop. retraite. Alors qu'en vrai il aurait peut-être pu la 1v1, hein. Il y avait plus de R sur Nico, c'est dommage. Yes, et du coup, ben, on est totalement even au gold. On a quand même l'avantage de 2 Drake à 0 pour les Watsium. On va voir comment ça va se passer avec l'Herald qui est up. Ok, j'ai l'impression que Est-ce qu'on l'enjeu pourrait ici voir, c'est ouais. l'Hérald. Ok, on Il a va y avoir l'Herald. un Le teamfight. combo Jarvan, il n'y a plus de combo Jarvan. Attention, il a son flash quand même. Mais le smite qui a été touché pour qui on sait pas. La planète qui est. C'est le premier apocalypse. Le rappel de plume qui est très très bon sur les deux personnes. C'est le Mordekaiser dans l'octogone. Il va prendre la Xayah. Il va flash out. C'est très très bien fait. On a le Jarvan. Qui vont tout mettre sur la Séraphine. C'est un teamfight qui part à l'avantage des WTC. TS, pardon. Et c'est un triplé pour la MF. Elle va même prendre son quadra kill sur le Malphite. On l'a laissé jouer cette MF. C'est une Et le MF qui a break été. sur cet Herald, hein. C'est vraiment le break parce qu'ils ont pris Herald, 4 kills, C'est aucun clair. mort. Il y a tout qui va dans le sens de WTS Ah là, actuellement. c'est très sévère. Hein. Et pourquoi on avait une Nico au bot hein, qui a été absente des débats. À voir le vocal, comment ça s'est passé, mais est-ce que c'était prévu qu'il y ait autant d'emballement? On a voulu contester et au final, on s'est fait couper les pattes. Et on va du coup avoir un troisième dragon. Âme de terre, donc très costaud contre les compos burst, et ils en ont du burst hein, quand même les HOB avec cette Nico, ce Malphite. Attends, j'ai remarqué un truc, Zaïd. Ouais, Je sais dis-moi. pas trop, mais
Genre, la griffe de Mordé, j'ai l'impression que ça dévoile la Nico. Quand elle est en sbire. Ah, tu crois? Vu Ouais, je crois, que. c'est ce que j'ai cru voir. Alors, ça, j'avoue que. Est-ce que les CC révèlent Nico? Sur les CS, je me Là, demande. je t'avoue que je suis curieux parce que j'ai vu ça. Il y a moyen. Ouais, j'avoue ne pas avoir la réponse. Si quelqu'un sait dans le chat. En tout cas, j'avoue ne pas avoir l'info. Et là, du coup, ouais, 3K gold d'avance pour WTS. Pour le moment, ça se passe très bien. En face, du coup, ils ont shutdown des tours. Faut faire très attention à pas donner des tours ou un objectif. Le Nashor, du coup, qui spawn dans 20 secondes. Est-ce qu'ils ont un angle? Non. Je pense pas qu'ils le joueront tout de suite. On va attendre un petit peu Clairement, que la game se déroule encore. on met un peu de vision. On va attendre les prochains objectifs hein, avec ce nageur qui apparaît. Bon, on devrait pas le jouer, mais on devrait plus être patient à attendre le prochain Drake, le Soul Point dans 3 minutes 30. Et beaucoup d'enjeux du coup. Hop, pardon. Un petit bleu récupéré par l'Aurélion. Ça fait toujours plaisir. Alors que Clairement. de l'autre côté, on n'a pas donné ce bleu à la Nico. Hein. Enfin, Hop, après, elle le est peut-être dashing pas du aussi mal à voir. Jarvan, on va essayer de tout mettre sur ce Trinda qui va être forcé au flash out. Il y aura pas de flash sur ce Trinda pour le prochain dragon. Ça peut être clé, vu que c'est lui qui est quand même. Attention, attention, ils sont un petit peu avancés. Ouh, en On les effet, ouais. voit, ils peuvent se prendre un petit Ça peut sandwich. flanquer, hein, ça peut flanquer. On a une reine Poro, qu'est-ce qu'elle va faire? On essaie de tout mettre sur Jarvan. Le combo, l'apocalypse qui est très très bon. Attention! Le Jarvan qui s'en sort à Attention! 1 HP. Et on a Trinda qui a toujours son ulti, il le claque! Il va claquer son ulti! Il go out! On a un Mordé qui est très très bien, mais il est en 1v4, ça va être compliqué pour lui. Il va quand même prendre la Sejuani. Il va essayer de partir avec son shield, sa MS, mais là ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué, c'est la fuite en avant. Et on va le Et fuite donner en à avant, Trinda. Est-ce que ça magnifique. peut pas être un Nashor? Je pense pas. Non, Et au final, j'ai pas l'intention de faire le Nashor. ouais, on fait ce move topside pour les WTS, mais on avait la botlane qui était bot, hein. Oui. Et On est. surtout que la MF, c'est elle qui fait les dégâts, quoi. Donc c'est dommage. Dommage d'avoir fight Yes. sur ça. Bah, clairement, Après, elle a. on pensait peut-être qu'ils étaient moins nombreux. Elle a pris Quadra Kill, elle a son IE tranquillement, elle a une petite stopwatch pour être safe. Et on a joué sans elle, c'est dommage. Mais heureusement, il y a ce dragon Soul Point dans moins d'une minute 40. Et on va voir comment on négocie l'objectif. On a aussi la stopwatch, enfin le Zhonya sur Nico. Ça Ah, prend la vision backside MF du va faire côté. Zhonya, je connaissais pas cette technologie. Est-ce que c'est Sur qu'elle a Nico. confiance? Sinon, la MF, elle Ah, a l'AMF. sûrement. Ah, Regarde, elle est Zhonya. en train de faire Zhonya. Hein. Elle a sûrement confiance en ses capacités à réflexe l'ulti malfit. Mais Du c'est coup, pas bête. ça va être drôle En à vrai, voir et c'est c'est un pas bête, Nashor je qui va trouve. être instantané. Hein. On a posé une petite pink. En face, il y a une seule blue trinket de la Nico, elle est bot. On lance ce Nash, c'est pas contesté, c'est gratuit. Autant servir. Du coup, on va avoir un Trinda qui Ouais, va le être Zhonya, déchaîné, le Ghost qui va être lancé parce qu'il n'y a pas de T1. On va tout lui mettre. Il a l'ulti quand même, ce Trinda. Est-ce qu'il va le lancer? Il flash out, il va devoir tomber. Hein. L'ulti Trinda qui est claqué, ça a été très très bien fait. Et est-ce qu'on va pouvoir jouer ce dragon dans moins de 30 secondes? Il a sa TP, le Mordé. C'est peut-être pas le meilleur timing. Aïe aïe aïe, juste avant la soul. Et là, c'est la Nico qui est prise à partie. Elle va Zhonya, mais ça a l'air. Très bon flash out. Que nenni? Que nenni, elle arrive à s'en sortir! C'est exceptionnel, le Malphite qui ultisse un peu tout seul, c'est dommage. On a l'ulti Séraphine, le champ qui a été trouvé sur Malphite, mais pas plus. On a un Trinda
pour qui on joue, on laisse jouer T2 top et on va essayer quand même de compter cet objectif. C'est fou ce qui se passe, l'apocalypse qui est lancée, ça explose et on a une équipe HOB qui se fait détruire. Aïe aïe aïe, d'abord le Malphite, maintenant là c'est Juani. Et ça va être le dragon qui va prendre sa part maintenant, c'est Soul Point, Soul pour les WTS et une chance de victoire pour les Harmonies qui quand même se réduit. Je suis désolé, j'ai plus la game. T'as comment ça, t'as plus les gars? Ok, bon, on te laisse faire tes petites Non, manips. vraiment, j'ai lag. Ah. J'ai lag en plein milieu et j'ai plus la game. C'est pas grave, c'est pas grave. On est quand même avec ce Nashor. Il reste un peu de Nashor, 1 minute de Nashor encore. On va prendre cette T2. Tranquillement, on a l'Aurélion au top. Qui est en train de prendre des ressources sur le côté. On a. Attends, qu'est-ce que je suis en train de voir? On a 5 niveaux d'avance pour ce Aurélion. Il est niveau 15, la Nico est niveau 10. C'est tout simplement énorme. Et là, c'est le Mordé qui est prêt à partir. C'est une petite erreur du top laner Etern qui s'est fait catch sur un timing de reset, je crois. Et du coup, on a complété le zone A sur l'AMF pour être safe contre le combo. Et Soit du la coup, Nico, ce que je soit le disais tout à l'heure Malphite. par rapport aux Zonia, c'est que Ah, t'es je de trouvais retour. ça super intelligent. Ouais. Parce que bah, du coup, il y a des ratios AP sur MF. Et en plus, ils ont énormément d'engage. J'ai vu que c'est la seule à être fed, on va dire. Enfin, celle la plus fed. Ça va forcément se faire target. Ouais, c'est Donc le vrai. Zonia, il est très intelligent, je trouve. C'est vrai. C'est particulier, mais. C'est pas dégueu, je pense, ouais. Et on a un power spike pour l'Aurélion aussi. On a la trinité d'items. Vous le savez. Hop, l'Aurélion qui va faire son petit trade sur Pablo. La planète qui a envoyé. Pablo qui peut rien faire, il se fait contrôle. Il essaie de dash in sous ulti, mais c'est compliqué, c'est trop tard. Il flash in de hargne, mais il va tomber. Il trouvera la mort sur la voie du haut et. Et c'est dommage, il a claqué un flash osé. TP d'Aurélion. Sur la botlane, on accélère directement sur les sides. Il n'y a plus de Nashor, mais on essaie de prendre le push, le E qui est énorme. Hein, c'est. C'est énorme. Est-ce qu'on va pouvoir taper cette T3 mid? Est-ce que t'es avec moi, tutor? Le Zhonya, justement, on en parlait! Qui a été utilisé pour l'ulti Malphite. On lui met tout sur cette MF quand même. Elle va tomber. C'est les 1K Gold. On va essayer de trade kill. Aurélion qui est un peu laissé tranquille. Nico qui essaie de trade back. Zhonya avec l'ulti. Et elle va repartir gentiment. C'est un triplé pour Aurélion. C'est énorme. On a un Jarvan qui nous propose une masterclass d'ailleurs. Hein. Je n'osais pas en parler mais. Le Zhonya, moi, qui a pas été très efficace sur 3-0-14. ce teamfight, mais bon. Il est En su. vrai, ils sont quand même gagnants, donc est-ce qu'on peut dire que ça a été efficace ou pas? Bon. Pour le moment, ça prend un inhib. Clairement. Du coup, la MF, du coup, elle va partir sur quoi après? Ah oui, elle va partir sur la pénétration d'armure. Du coup, on va attendre patiemment cette Nico. Ça a ping bot pour les WTS. Voir ce qu'ils veulent faire. Non, d'abord ils veulent reset, ok. C'est le meilleur choix, je pense. Et après, on a Snasher dans 40 secondes qu'il va falloir préparer. Est-ce qu'on peut le jouer au nez et à la barbe des HOB? Tout reste à voir. Mais du coup, la MF qui a lâché un K-Gold, c'est dommage parce que c'est un K-Gold, ils sont partis sur Malphite. Ouais, c'est pas vraiment le meilleur champion sur qui avoir des Ben, golds. pff, ouais, c'est compliqué. Hop. Oh,
Ok, on Donc le veut tenter Nashor, quelque chose sur le full. mort D, on va lui mettre la charge de la Sejuani, on va le full CC, hop, ulti Nico, mais il y a un manque de dégâts, hein. Il a quand même beaucoup de résistance, on va trade back la Nico, on va prendre le kill sur cette Nico peut-être. Oh, on a mal timé, c'est quand même le kill qui va être pris, on a le combo Jarvan MF qui est très très bien fait, le cataclysme sur la Xayah, et ça va être une boucherie, ça va être une boucherie, ça va être du 4 pour 1, c'est énorme tout simplement, le Trindade ne pourra rien faire. Ça va être inhibiteur top. Est-ce qu'ils vont le skip? Ils veulent directement finir la game? Y a quand même 30 secondes sur 4 personnes. Je pense qu'on a le temps. Après, faut pas perdre de temps. Faut pas perdre trop de temps sur le Trindade qui essaie de bait un petit peu avec son ulti. Il va essayer de go in. Le dash out, c'est très bien fait avec son ghost. Il essaie de gagner du temps, mais rien n'y fait. La première game va pour les WTS. WTS qui s'impose. Super première game. Plus Franchement, émotif, ça a très très bien joué. on a eu beaucoup de suspense dans cette early game. On était longtemps égalité au gold. Et puis on a le Aurélion qui a tout simplement détruit les phases de jeu. Hein. Franchement, c'est très très costaud. Tac. Du coup, ce sont les WTS qui ont gagné. Tac. Non, ça a été très très bien réalisé, franchement. Et du coup, les WTS qui mènent 1-0 dans ce best of 3. La game 2 qui devrait pas tarder à se lancer non plus. Mais en tout cas, ouais, il y a eu des armes qui ont été laissées quand même sur Aurélion. On sait que on connaît ce midlaner particulièrement avec Dracture. Oui. On sait qu'il joue pas mal de champions assez statiques, qui joue de loin comme ça, du genre d'Aurélion. Et pour l'instant, ça lui a réussi. Donc chapeau à lui. Hop. Mais on a vu ouais quand même Harmony qui avait quand même des armes. Ils auraient pu gagner cette game en vrai, c'est dommage. En vrai, ils auraient pu appuyer sur leur point fort, c'est-à-dire Tryndamere, le Très speed clairement. push ou autre chose. Très clairement, ouais, c'est là où je voulais en venir aussi. Peut-être qu'on n'a pas assez accompagné Strinda, fallait vraiment. Disons que quand les 4 kills sont sur lui, c'est compliqué pour lui de faire un mauvais play ou quoi. Il avait vraiment pas le droit à l'erreur, le pauvre. Et donc ça punit instantanément du côté des WTS qui mènent la danse du coup dans ce BO3. La MF, ben écoute, on a le Zonia qui a été salué de la part du casting crew. Est-ce que tu veux qu'on élise un MVP, Dracture? Rapidement. Effectivement. Bah moi juste pour avoir l'intelligence d'avoir fait un Zonia, j'ai envie de mettre MF. Ouais. Ouais. Surtout, c'est pas volé de la part de la MF vu le score. Après, notion quand même. Notion particulière à Jarvan hein, qui fait une game 0 mort. Ouais, c'est vrai, Costaud. effectivement. 4-0-16. Il est sur 20 kills sur 26. Ouais, il a été très impactant aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à choisir, mais Entre j'ai un petit peu MF peur pour et. MF, moi. Est-ce qu'on fait voter le chat Ah, on fait Non. voter le chat. Enfin. Sans que ce On a le même soit avis. pour nous donner votre avis un petit peu. Ouais, pour moi, ça se joue clairement entre Jarvan et MF. Après, c'est Rafine qui a joué sa partition. Le Aurélion aussi qui a été clutch quand il fallait, avec son triple kill. Et on a un Mordé qui s'est fait focus, on va dire. Ouais, il a pas vraiment pu jouer. Bah, à partir du moment où il commençait à perdre, bah, le snowball de Tryndamere, bah, on connaît. Hein. On vous envoie notre ADC si vous voulez. Il est ultra chaud. Vous l'envoie où? Vous nous l'envoyez où?
Invoque, je suppose. En Vogue? Non, non, non. Petite interview là. Non, 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 on va pas faire d'interview, je pense, ce soir. J'ai pas le même pseudonyme. On va voir. Bon, en tout cas, très bien joué de la part des WTS, mais attention, parce que du côté H ou B, il y avait quand même des armes, il y avait des belles choses quand même. Avec cette Xayah et ce Malphite sont très très bien rentrés dans la game, mais ils ont directement été stoppés par Javan 4 hein, de Height and Kick. Ouais, le forcing bot. Ouais, attention si ça se reproduit de push sa lane comme ça, la Xayah Malphite. À Enfin, essayer la. peut-être de jouer sur une lane en particulier et pas forcément deux comme le Trinda et la Xayah quoi. C'était pas facile de faire un choix et ouais, on comprend, mais en vrai, du coup, c'est peut-être ce qui vous a coûté la game. Et du coup, on a eu ouais, une Sejuani qui était un peu perdue à devoir faire le pompier un peu partout. On va voir, mais au final, c'était une game avec beaucoup d'intensité. Hein. L'early, on Mais s'entendait jusqu'à 20 pas. minutes de jeu, ouais, on savait pas qui allait gagner. C'était dynamité quoi. Ah, si on peut avoir la même game 2, moi je signe tout de suite. Ok. Tac. Les WTS sont prêts. Hop. Et du coup, est-ce que ça va impacter les bans cette game? Ça m'étonnerait qu'on laisse la MF1. Et le Jarvan Ouais, d'ailleurs, peut-être cette MF elle va y passer, il a c'est peu pas probable. trop Jarvan dans son historique et il nous Ouais, sort mais ça se une. voit qu'il était bossé quand même, il a sûrement joué en scrim. Ah ouais, ce Jarvan, en plus il est first pick. Ils sont où les adversaires là? Et ben, c'est une bonne question. Peut-être qu'ils débriefent. Ils sont sûrement en débrief pour voir ce qui a manqué. Les fameux scrims. Pour voir ce qui a manqué, mais ouais, on va voir comment ils rebondissent. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Hop. Tac. Bon, j'espère que sur le chat vous avez aimé la game, qu'elle vous a animé. En tout cas, nous c'est le cas. Et ouais, on n'a pas trop de Jarvan hein, du côté de Identix. Non, il Donc, n'est pas dans est-ce ses que dix ça premiers va forcer un champions. ban? Parce que c'est vrai que. Est-ce que le first pick Jarvan il a été fait parce qu'on a vu qu'il y avait très peu de réponses avec des carries, avec des dashs en face? C'est vrai que j'ai pas l'impression que le mid laner joue de carry à dash, l'ADC un Ezreal. Un petit Ezreal, ouais. À voir. Tout cas, j'ai beaucoup aimé le déroulement de la game. En vrai, j'ai l'impression que il n'y a pas vraiment de priorité au niveau des picks. Sur les Ça pics. joue surtout ouais, des champions que ça s'est joué tout simplement. Ouais, et au match-up, ouais. Et ouais, match-up, Et c'est pareil, très créatif. C'est très créatif surtout. est-ce qu'on va ban la Nico? Alors oui, on avait 5 niveaux d'avance pour le Aurélion, mais quand même, cette Nico a trouvé des angles. Hein. Elle s'est faite un peu déranger par Jarvan. En vrai, j'aurais À peut-être un peu voir. plus vu, je sais pas, en bot lane, en petite sbire là. Surtout bah, pour avoir le shutdown sur cette MF qui posait problème. Ça aurait peut-être été une solution. Yes.
Après, ouais, effectivement, du coup, étant donné qu'il a pas roam, il s'est régalé au niveau des plates au mid. Donc, à voir. Ah, c'est sûr. C'est vrai que c'est pas très récompensé. Mais bon. C'est sûr. Et l'équipe HOB vient d'arriver. L'équipe Harmony. Et donc, on change de side, forcément. Et on va voir les réponses. Est-ce qu'on va garder les mêmes bans? Est-ce que cette vaille, on va pas la first pick? Mais je pense que la vaille va y passer encore. Hein. Tu crois ça en va. Ban? On va pas s'y risquer, ouais. Peut-être. Pareil, le Trinda, est-ce que ça mériterait pas un ban? J'ai plus la dernière draft en tête, enfin sur les bans. Mais tac. Mais ouais, clairement la prochaine draft va être très très intéressante. Ouais. Est-ce que Harmony vont encore mettre un peu plus de priorité sur Xayah? Alors qu'il ne joue pas tant que ça en plus, j'ai l'impression. Il joue pas tant que ça Xayah. C'est quoi ça? Ah, c'est vrai que ça reste très fort, du coup c'est un pick très méta. Merci Pandatom pour je crois que c'est un follow. J'ai pas l'info. Mais merci à toi. Merci à toi énormément. Hop. Ok, ils sont en train de faire la draft. Ça va arriver très vite. Hop. C'est le fameux Identix. Des pseudos qui nous font voyager ce soir. Ok. Hop. Hop. Quasiment prêt, ils sont en train de regarder les derniers détails. Hop. Ok, une équipe ready. En train de jeter un coup d'œil, voir s'il y a du flex pick. T'as le Et lien j'ai pas de la draft aussi. Ouais, j'ai pas eu l'impression que ça joue pas énormément les mêmes champions, donc il y aura très c'est très peu probable que ça flex pick, sauf bah, les picks très créatifs comme Malphite support. Ouais, c'est ça. Clairement. Hop. Et on a une draft qui va se lancer sous peu. Alors, je réfléchis un petit peu, je vois qu'il y a il y a quand même un peu de mordis jungle. Et c'est parti les Harmony. Avec quoi sont-ils revenus? Le ban de Vaille, on va la sortir, on n'en veut pas. Ouais, comme prévu. Tout à l'heure ça a ban en first Caitlyn, c'est le même ban. Hop. La Akali qui est sortie également, c'était le même ban tout à l'heure. Le Swain, on est sur un copier-coller pour l'instant. Ouais, on change pas une draft qui fonctionne. Et tu vois, on enlève le Jarvan. Ok. Chez Harmony. Et la Lilia, pareil. Je crois que chez les WTS, c'est pareil. Ça va être les mêmes bans. Et le First Pick Jinx, du coup.
Est-ce que c'est Ok, pas ouais, eux donc qui avaient Bad Light Jinx? J'ai un doute. Harmony qui priorise du coup les picks méta comme Jinx et Xayah. C'est ça. Ok. Que va répondre Watium? Quelle sera la réponse contre Jinx? Ouais, Je suppose que. Ok, Malphite support encore, je suppose. Mais après, du coup, ça reste un flex pick, donc on peut émettre une théorie comme quoi il est top. ouais, tout à l'heure, c'était eux qui avaient ban la Jinx, et du coup, là, ils l'ont laissé open pour first pick. Allez, normalement, ça devrait pick l'ADC. Malphite, Oh, c'est ouh. intéressant. Nila? Oh, c'est Nila. Nila, alors là, très très curieux. Pour le coup, c'est très atypique parce que, bah, en fait, Nila, pour un ADC, c'est un petit peu le Sinjet de la top lane. C'est vraiment pas Oula. facile, il faut vraiment aimer le Le gameplay, pick, ouais. le gameplay, ouais. Ouais. C'est clair, j'ai Et... pas l'habitude d'en voir, ça va être rafraîchissant. On a la rotation Nautilus Olaf. Très très bien dans Malphite, dans l'espèce de Shockwave Kanila. Avoir ce blind Olaf au top, on devrait répondre support, sûrement, à moins que ce Malphite soit encore support. C'est peut-être un flex qu'on va vouloir faire durer jusqu'à la fin aussi. Il y a pas mal d'options, on peut peut-être sécuriser le jungle là-dessus. Ça va être Lulu qu'on va lock instantanément. Non, je suis pas super fan de Lulu. Parce qu'il y a mieux comme combo avec Nila. C'est vrai, après avec Lulu tu accueilles quand même. Là tu bannes la Nico. C'est pas mal, ça a été convaincant. Le pick de Nico tout à l'heure. On n'en veut pas. Et du coup, les HOB, est-ce qu'ils vont ban Aurélion? En fait, ils sont obligés de ban des mids parce qu'ils peuvent pas savoir si le Malphite est top ou support. Parce que personnellement, je le Pour vois moi, as. ce serait le plus logique. Dans les Victor. Qu'est-ce qu'on va enlever encore ici? Tac, tout à l'heure on avait Banzix, qu'est-ce que c'est comme ça? Pareil, le Olaf. Ok, on pense qu'il est Ok, top. on enlève l'Aurélion, ouais. Le Viego aussi, côté WTS. Et on va devoir blind quelque chose, à moins qu'on réponde. Et non, non, c'est les top laners. On devrait pick jungle a priori. Ce serait le plus logique. Non, là ce serait... Non, pick mid. Jungle ou mid, mais en général, c'est vrai qu'on favorise le R5 mid. Et ça va être un blind Xing Zhao. Pourquoi En pas? fait, je Le dis non pick pour est fait. Attends. Bah très oui, c'est très Malphite, on sait qu'il agressif. est top. Du coup. Non, mais il n'y a pas de Du coup. problème, Arthur. Enfin, moi j'ai l'habitude. Sur le chat, vous allez vous y faire. C'est fine, c'est fine. Le Xing Zhao qui a été sécurisé, très agressif du coup, hein, en jungle. Va falloir être proactif early game. Et on a la réponse Ziggs sur sûrement la voie du milieu. J'aime bien ce Ziggs. C'est peut-être pas ce qui accueille le mieux, mais. Mais ça m'a l'air pas mal. Et qu'est-ce qu'on va mettre avec lui en jungle? Ça va être un Zac. Ah oui, c'est vrai, c'est un gros joueur Ok. de Zac. J'aime bien ce Zac, ouais. Qui va mettre la pagaille dans les teamfights. Ouais, j'aime pas mal. Ah, j'aime moins bien contre une Cassio, mais Ouh bon. là 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 là. Oh, cette Cassio. Cette Cassio, je la trouve pas mal du tout. Pas mal du tout, mais attention quand même, elle peut se faire outrange par cette Jinx, par ce Olaf. Ah, mais ils ont quand même pas mal de mêlées, donc en soi, Ça peut être tendu, je vous laisse un peu la draft. c'est plutôt bien draft, je trouve. Donc ouais, on va avoir une deuxième game assez explosive. Le seul pick qui est toujours là, ça va être le Malphite, hein, je crois. Après, c'est 9 autres champions carrément.
C'est une petite analyse très rapide, hein, mais je crois, hein. Je crois qu'on a que le Malphite qui. Oui. Enfin, qui a été dans les deux games. Donc beaucoup de Oui, mais variété du de coup là champions. on change. Ah oui, mais on change de team là, je crois, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Le Malphite, du coup, il est chez Watsium, alors qu'avant il était pas chez Watsium, il était chez Harmony Obscene. C'est bien ça. Tu fais bien de le notifier en effet. On a voulu enlever ce Malphite. Hop. Ok. On vous le rappelle, 1-0 pour les Watsium. Ça a été une game explosive. Un early très partagé, très disputé, mais il y a eu un move, hein, on l'a dit, hein, le move Herald où ils essayent de contest en 3v4, il me semble. Et c'est pas Ouais. passé. Non, en 4v5. En 4v5, je crois. Peut-être, ouais, c'est bon, c'était le mauvais rôle, en tout cas, je m'en Ouais, rappelle plus exactement qui ils clairement. étaient, mais. Avec le Jarvan qui faisait les Heralds et les HOB qui ont tout mis, mais c'est pas passé. En infériorité numérique. Et là, on a une Cassio contre triple tank mêlée. Donc, cette Cassio, je l'aime bien, mais en même temps, elle va pas trop être libre à cause de la range sur les carries. Donc, on va voir. Peut-être un peu compliqué de poser ses dégâts. Je me demande si elle va faire séculaire ou Liandry. Et en même temps, chez les HOB, on n'a pas énormément de choses pour accueillir le l'engage en face. Que ce soit le Non, là, ouais, Malphite, pour le là. coup, faut que HOB soit devant s'ils veulent dérouler la Ouais. game, parce que s'ils sont derrière, la game va être très compliquée pour eux. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont des strong laners en plus, mais simplement le Jarvan la game précédente a été partout. Hide and Tick. Il a été vraiment partout avec son Jarvan. Donc, ouais, compliqué. Et on rappelle, c'est un BO à élimination directe. L'équipe qui perd. C'est fin de playoff pour elle. Donc on va voir comment ça va tourner cette deuxième game. On aura peut-être une game 3, on va voir. En tout cas, ce Xin, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Xin. On va voir pourquoi il a été pris, tiens. Bah en vrai pour l'engage, hein. L'engage et la range de la Peut-être Jinx, pardon. pour stat check le. Est-ce que c'est bien Xin dans Olaf? J'ai un doute. Parce que du coup tu le Non, repousses mais je pas. pense que ça reste bien dans Jinx, par exemple. Ouais, contre les carries à grande range. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est pas mal. Avec son ulti, il va pouvoir être insensible à la portée. Donc une Ouais. Jinx et un Ziggs qui en abusent, ben ça les punit directement. Écoute, on va voir, hein, mais on a des armes des deux côtés. Ça peut être une game qui peut partir dans les deux sens. Ça va dépendre des phases de lane. Une game. Je sais pas si toi tu l'as, mais moi j'ai une tentative de connexion. Ok, non, c'est bon. Non, moi j'ai C'est bon, rien. c'est bon, Et c'est bon, c'est bon. si tu peux éviter de. Oh, oh mon dieu. C'est ok. À tout moment, on perd notre co-caster. Donc ouais. Tout va bien, je suis là. Et cette Cassio au final Ouais, on va voir si elle va pouvoir s'exprimer. Je dirais que les deux teams, leur une condition, c'est les team fight. Est-ce que si en vrai avec Ziggs, ils ont quand même le split push peut-être? Ouais.
Après, à voir comment ça se déroule. Et si, ouais, ils ont beaucoup de catch aussi au niveau de Harmony. Ils ont plus de conditions de win Harmony, j'ai l'impression, que Watsium. Ouais. Watsium, il faut absolument qu'ils gagnent les teamfights parce qu'après, sinon, ils ont pas grand-chose. Peut-être ouais, jouer les Drake parce qu'ils auront probablement la prio bot. Clairement. Et ouais, sur Move Herald, peut-être swap. Je sais pas, je donne des idées comme ça, mais ça pourrait être pas mal de swap. Ouais, clairement, on va voir. On a eu des WTS qui ont été très 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 orientés sur les objectifs. On va voir Est-ce avec ce que Xin ouais, est-ce qu'ils encore vont là. reproduire la même chose? Ouais. On passe de Jarvan à Xin, donc une grande facilité pour faire les objectifs comparé à un Zac. Ça va dépendre des prios, il y a beaucoup de facteurs. En tout cas, on a un top laner chez les Harmony qui veut se bagarrer, hein. Première game Trinda, deuxième game Olaf. Il en a gros sur la patate. Il a passé une mauvaise journée au boulot. Il a juste envie de se défouler sur la voie du haut. Ouais, Tu connais cette voie, tu vois, un petit je connais un peu, ouais. peu. Parfois, ouais, ça fait du bien de faire une petite game. Ouais, en mode Ouais, bagarre. en mode bagarre, exactement. En Tu mode montres bagarre. qui est le Tchad, et ça Voilà. fait du bien à ton ego parfois aussi. Exactement. Mais ouais, donc, enfin, après, ouais, quand tu joues Olaf et puis que tu dois taper un caillou. Bon, parfois c'est un peu chiant. Ouais, clairement. Après, on l'attendait, ce champion-là sur la voie du haut, donc il a eu le counter pick, hein. On va voir si. On va voir s'il peut en abuser. Et du coup. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Hop, on est parti dans la game directement. Secondes avant l'apparition de Sbire. Ok, je me mets au max, comme d'habitude. Et voilà, c'est bon. Alors pour le moment, c'est une peur Alors. très classique. Ça a mis une petite ward au niveau du carapateur. Bon. C'est ok, normalement, Clairement, il devrait pas y avoir d'agression ou quoi. S'il y a une late invade, ce sera vu. on a mis Comme là, par deux. exemple. Ouais, Les c'est sbires ça. sont apparus. On va invade, ça a été vu normalement. Ouais. Ça ping back directement pour les WTS. On va repartir gentiment. Ils veulent l'information sur le starting de Xin. Exactement. Et du On a mis coup, des. ils savent que ça commence topside. Et encore une fois, les jungles qui commencent à l'opposer. Donc on aura plutôt un Zac qui va se projeter sur la voie du haut et. Hop, je mets juste dans l'ordre. Et au contraire, un Xin qui va jouer bot side, donc on va voir comment ça va se configurer. Oui, ça joue agressif un peu partout. Hein. On a Agressif l'ancre qui a été touchée, l'Anila qui essaie de trade back, mais on va reculer côté WTS. Et c'est un avantage, encore une fois, j'ai envie de dire, du côté HOB en lane, au bot. des. T'es à combien de minutes? Parce que je vois que j'ai encore lag. Je suis désolé. Je suis à 23-24. Ouais, j'aurais du retard, tant pis. Okay, j'avançais un peu aussi. On a la question qui a mis des très très bons trades hein, à ce Sky Prisa sur son Ziggs qui est très farmy. On a le Zac du coup qui a fait 3 camps et direct bot. Ça va. Ouh là là, attention. Attention parce que normalement on a l'info que Xin va être là aussi. On a fait 3 camps partout chez les jungles.
Ouais, mais le Et du Zac coup. était pas dans une optique de full clear, il a vraiment Ouais, voulu du coup, forcer sur la c'est un botlane. timing, ouais, un timing un peu forcé là. D'un côté, le Zac, il a fait ses trois camps là, il doit reparcourir toute la map. Est-ce qu'il veut trouver un angle de gank sur la Cassio? Mais c'est Ward. C'est Ward. Attention, elle le savait, la Cassio, elle le savait! Elle le savait, mais elle est prise à partie, elle va devoir flash, hein. À moins que c'est flash. Mais du coup, il y a toute sa barre de HP qui a été entamée. Le ghost de Xin, qui a été craqué. Attention, on sort de la river, on essaie de toucher la lance. Ce sera pas touché. La Xin qui essaie de s'extirper, elle sera knock-up et elle va mourir. Elle va mourir malgré ses doubles sums. On va prendre beaucoup de coups de tour de la part de Nilak. On a fini par flasher le coup de tour. Et c'est le kill qui va être récupéré par Baba. Baba qui se régale. Baba qui nous met le cosplay voleur. Tu l'as ou pas? Je suis désolé, j'ai encore lagué. Oh non, c'est pas possible. J'en peux Ça devient un solo cast. plus. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'actions, mais au final, on s'en tire bien pour les HOB. Il faut vraiment que la botlane arrive à voir où est ce Xin, le scouter un maximum, parce qu'on peut pas être autant puni sur les ganks de Identic. Le all-in de Olaf, mais il a l'air Oui, de dans perdre, l'équipe. c'est un flash out. On a le level up en plus sur le Malphite, le rouleau de printemps. Non, non, il le placera pas, il va reculer. C'est très. Ça peut solo kill aux 3 lanes en même temps, c'est formidable. On va essayer de crasher cette wave chez le Malphite. On n'a pas de TP pour Olaf, donc on va se mettre en danger. Après, il a sustain avec son petit passif tranquillement. Ouais, son petit kit en fait lui permet de régène plus quand il a moins d'HP. C'est ça, ouais. Il doit avoir second wind aussi. Enfin, Donc ça se joue comme ça, non, Olaf? ouais, c'est pas un problème, j'ai l'impression. Il y va même push du coup. Et Et le level crash up. sa wave. C'est. Ouais, le Malphite, je sais pas s'il arrivera à temps pour prendre Attends, mais l'XP. regarde le CS diff au bot. Ah oui, Nilah. Ah là, c'est. Et ouais, comme je t'ai dit, hein, Nila, c'est un gameplay assez particulier, donc Ouais, t'as très très peu de range en effet. Et là, c'est les HOB qui vont prendre l'initiative sur ce dragon. On a le crabe qui va disparaître, mais ça a été vu quand même. On a la Cassio qui est là. On a un 3 contre 3. 3 contre 3, mais attention, il n'y a plus beaucoup de points de vie sur Poussin Sauvage qui va essayer de s'extirper, mais c'est pas possible. On a les bobs qui vont apparaître, l'ulti Zix qui est très bien. Et c'est le dragon qui est récupéré par la Nila. Attention, est-ce que cette Jinx peut poser ses dégâts? Je pense pas. Et ça va être compliqué. Oh, c'est un désastre. Oh, c'est un désastre! Et c'est cette Cassio qui se régale. Et plus globalement, les deux carry. Les deux carry Watsium. Aïe aïe aïe, cette phase de jeu. Ils ont perdu. Ils ont perdu le dragon et fait du 0 pour 3. C'est terrible. Aïe aïe aïe, on n'était pas prêt à turn ce contest de dragon, ça va trade au top, attention parce que c'est des courts trades qui tournent à l'avantage de Malphite, hein. Après, mine de rien, Linda est revenue au CS, hein, je l'avais pas vu, mais. C'est vrai Un qu'avec peu. le bounce et surtout bah, le fait que Jinx, je pense que sa mort n'a pas arrangé, surtout qu'elle a décalé avant, elle s'est rendue disponible. Et du coup, bah, on a des ADC qui sont even au farm. Du coup, on a des WTS qui sont très bien partis. On a un Zac en mode roublard. Est-ce qu'il va essayer de toucher son E? Il touche les deux, c'est super bien joué! Il va lancer son E, bam! On entrechoque les deux et c'est la Nilah qui va tomber. C'est même une interruption, c'est super, ça relance la game un petit peu. Le Olaf, le all-in. Est-ce qu'on a une hache? Super bien joué de la part de Pablo. Pablo qui se met très bien. Il se met très bien et il va. Ah, il va pas crash au top. Je me permets de regarder l'état de la wave. Ouais, c'est pas. La wave est. Bon, on va voir, mais. Ça a l'air even.
à voir comment elle tourne. On va gratter de la plaque pour les HOB. Et le rhum de Cassio. Le rhum de Cassio sur cette pink. Attention, l'encre va toucher. Mais est-ce que c'est pas une fuite en avant pour Nautilus? On a le flash, tu me diras. On a le flash, il faut le craquer. Super bien joué, Baba. Et du coup, il va se repositionner. Et la botlane HOB qui tank encore ce gank, ça fait beaucoup pour eux. Tu trouves pas? Si, ouais, ça fait beaucoup, encore une fois, j'ai un problème, hein. Je suis désolé. Ah, et on a un Malphite qui. J'ai pas enlevé le chat, my bad. Et qui vient dire des petites dingueries. Attention, le Olaf encore qui va être déchaîné. Il va être déchaîné, ce Olaf. Déjà en 2-0, ça fait deux games où il prend l'avantage comme ça, Pablo. Clairement, c'est une grosse, grosse performance. Après, il faut faire perdurer ça dans la game, dans le late game. Et au mid, sa farm. Ah, Pablo, vraiment, ces deux games, il nous joue des pics de mafieux. Hein. Est-ce que tu l'as? Ouais, je l'ai. Ok, merci. T'as combien de minutes de jeu? Suis à 9:30. Ah, yes, trop bien. 9:31, 32, 33. Ok, c'est bon, je... Oh, let's go, peut-être On que a vous un la cul. Ziz qui TP Ok. sur le mid, attention. Le Xin qui fait un petit passage, il veut poser cet Herald. Hein. On a encore 3 minutes dessus, mais ça a l'air d'être le timing désiré pour lui. Il le pose, est-ce qu'on va essayer de forcer? On va juste accompagner la charge, hein. Pas plus, je pense, il n'y aura pas de dive. On n'a plus beaucoup de CS, la Cassio, attention. Elle peut être amenée à trade, attention, ce Xin, c'est une très belle engage de la part de Poussin Sauvage sur son Zac. Mais on trouvera pas de cible vraiment. La Nila qui sort une shockwave magnifique. Attention, le Xin qui tankera beaucoup, beaucoup trop. Il va prendre 3 coups de tour et il va tomber. Si c'est la Nila qui est prête à partir, elle a pas réussi à prendre le kill sur Xin. Jinx, et ça va tomber. Et c'est la Lulu maintenant. Est-ce qu'elle va réussir à trade kill? Non, elle va mettre un pauvre polymorphe qui ne changera rien. Est-ce qu'il va toucher l'encre, Baba? Baba, Baba, ça touchera, super. Et c'est la Mega Death Rocket même. Et c'est une flopée de ressources pour les HOB. Qu'est-ce qu'on en pense, Arthur? Effectivement, c'est très très bien joué. Ils ont réussi à bait jusqu'au bout pour avoir les 3 kills. Et même au top, du coup, au top, Ah, ça roule aussi. ah, Hein. ça stonks, hein. C'est impressionnant. Hein. Pour le moment, tout est gagnant pour la team HOB. Tout est gagnant pour les HOB, mais attention à cette lane milieu. Cette voie du milieu, le Xin qui touche son combo, le Knock-up qui va passer, le Ghost qui a été claqué un peu tard. Cette lance qu'on n'aurait pas dû prendre directement, c'est bien joué de la part de Xin. Et il va prendre son premier kill. Le Xing qui a couru top, hein, il est mort instantanément, il a couru top. C'est clair, une game un peu plus compliquée pour lui par rapport à la première. Le Zac qui va essayer de caler son combo, c'est raté. Il n'a pas d'ulti. Est-ce qu'il y a une encre? C'est non. C'est non. On va calmer le jeu. La Cassio qui TP mid. Hop, tranquillement. Et du coup, une game très très tendue. Alors que tu vois, je pensais que le premier move au Drake, ça allait condamner les HOB. Non, ils sont restés debout. Ils sont même devant Valeureux, et avec maintenant voilà, ils mènent de 1k gold. On a un Zac qui est repéré hein, sur cette ward. Attention, on peut avoir un jeu d'acteur pour les WTS avec le Xin et la Cassio qui arrivent. Flash out de Malphite ici. Non, malheureusement le Malphite il peut plus faire grand chose, son vis-à-vis est à Ok. 3-1. Ah là, il peut rien faire hein. Déjà Il a beaucoup qu'Olaf, d'avance comme on l'a son dit, équipe d'Ouroboros. c'est vraiment C'est compliqué. un pick agressif. Un pic de Chad. Et là, il va réussir à. Il va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut, le Olaf, sans que Malphite ait son mot à dire. Peut-être que la dernière plaque, quand même, c'est compliqué. Il va sûrement falloir attendre les 14 minutes, quoique. On va voir. Et mine de rien, bah, il a 20 CS de retard. J'aurais pensé qu'il en aurait plus, étant donné son nombre de morts Ouais, c'est clair. par rapport aux Après, autres. il a été aidé, un petit peu aidé. Enfin, globalement, les deux jungles
ont été aidés, mais... Ok. Attention, parce Ça que là, on va a la couper sur position la fin de récupérée par break. les HOB. L'Anila qui veut placer sa Shoko FC, très bien fait. Qui aura le dragon? Qui aura le teamfight? Le dragon est récupéré par les WTS. Le teamfight également, j'ai l'impression. On aura les blobs, on va récupérer. C'est le replay! C'est le replay! C'est le replay du C'est la premier Drake! répétition du premier Non, mais break, c'est pas exactement. possible! C'est exactement le même scénario! Deux fois l'affilée! On a des HOB qui sont confiants, qui rentrent dans le pit. Hop, et on a les trois morts, c'est les trois mêmes morts. Le dragon qui est stylé aussi. C'est. Aïe aïe aïe, on n'apprend pas de ces erreurs, mais en même temps, les WTS qui les forcent ces erreurs-là. Mais WTS, ouais, qui met des engages. Ah, c'est formidable, hein. Ah ouais, la Nila qui a touché trois ennemis dans son. Bah dans son ulti, c'est trois morts, simplement. Peut-être que ouais, peut-être qu'on sous-estime en face le l'engage, je sais pas, mais on a tendance à s'empaler trop sur ce dragon. À mon avis, alors qu'il faudrait favoriser un turn, je pense. Il y Ouais, je avait de suis quoi d'accord. turn, en tout cas. Jouer avec la range parce qu'ils ont Jinx, donc enfin, c'est dommage d'avoir une Ouais, Jinx c'est ça, mais je pense en qu'avec mêlée, ouais. cette ancre de Nautilus, on peut turn, quoi. Très facilement, même il avait l'ulti, donc je pense. Ouais, probablement. Ah, il l'a pas là, donc peut-être pas. Après, Peut-être il est qu'il a eu. court, Peut-être hein. Il est qu'il l'a court use. quand même. Ouais, je sais pas. Je saurais pas dire. On a un roam. On essaie de jouer Héraldin, hein. C'est le swap. Alors, comment il s'articule ce swap? On délaisse le bot côté HOB. On veut surtout pas s'empaler une troisième fois. Donc vraiment, on abandonne le bot. C'est peut-être la meilleure idée. Et on va pull ce héros de la faille. On a la Cassio qui est très très loin. Elle est à la base. Donc on va pas pouvoir contest. Ouais, mais attends, ils font le décalage. Est-ce que c'est pour avoir le trio mid? Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent juste prendre le tour mid, mais. En vrai, ils pourront pas, hein. La tour a trop de vie, hein. C'est pas possible. Du coup, on va mettre cet Herald sur le Zac. Le Zac de Poussin Sauvage. Qui nous fait de très belles actions. Hein, Ok, Ils sont au 4. attention, l'ultime Malphite qui a été très bien joué sur deux personnes. Ça va être le Ziggs qui est dans la panade maintenant. Le Nautilus à présent. Il y a des très bons dégâts. On va prendre la vie du Nautilus. Et maintenant, c'est un 4 pour 0. Un 4 pour 0 énorme. Et il n'y a Ouais, pas de Nashor, la heureusement. supériorité numérique qui fait tomber tout simplement Ah, les HOD. c'est ça qui fait toute C'est. la différence là. Et on a un Olaf qui se met bien, mais contre 4 kills comme ça, c'est cher payé cette tour au top. Oui. Parce qu'on va prendre T1, T2 mid, 4 pour 0. On a vraiment des WTS qui jouent les teamfights à la perfection. Ah, C'est eux qui ce prennent. décalage de Malphite, ouais. C'est eux qui prennent Qui l'initiative, hein, tout simplement. était là bien avant le Olaf, quitte à perdre sa tour. Franchement, c'était une bonne décision. Clairement. Et là, pour les HOB, on l'a dans le baba, hein. Petit flop. Ok. Mais ouais, pourquoi pas, hein, fallait tenter, hein, mais. C'est compliqué, hein. On va essayer de se projeter topside pour l'équipe des HOB. C'est compliqué. Ils avaient une belle avance tout à l'heure et à cause de ces deux empalements, c'est. Mais Et attention on peut. à pas faire la même chose au niveau de ce troisième Drake. Ouais, on peut dire trois limites, hein. Parce que 3 pour 0, 3 pour 0, 4 pour 0. C'est là que sont les 10 des 12 kills. Pour les WTS. Et là, du coup, je pense Et. que ce sera les WTS qui seront en premier sur le Drake. Il faut jouer sur ce Olaf. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Mais Ce oui, il faut Olaf, jouer sur le. Il est si. en avance, hein, donc. Il est en avance et surtout là, il est en plein spike. Donc. Il Mais a pas sinon, il envie faut. que les carry, la Nila ou quoi aient trop d'items.
Il veut. Ou sinon, il faut qu'il trouve un décalage parce que le Malphite, t'as pas de TP encore, donc c'est peut-être le moment. Ah voilà, c'est ce que j'ai envie de voir, les WTS qui prennent l'initiative sur le dragon et voir la réponse DHOB, comment ils répondent. Ça va être un. Ok, ça va être un Herald Mid. J'aime beaucoup cet Herald Mid parce qu'on va punir Attention, avec les Etern qui est là. shutdowns. Etern Attention, il. qui se perd un peu, il a l'impression Ouais, qu'il est tout seul. tu l'as dit, il essaie d'engage la fuite en avant et il va tomber. Non, il tankera beaucoup trop. Et là, c'est l'arrivée de Nila avec son Ghost. C'est des HOB qui sont prises à partie. Ils essaient de fuir vers le topside, mais il y a la Cassio. Ils vont se faire récupérer un par un. J'ai l'impression que c'est terrible pour eux. C'est terrible. On va essayer de trade back sur le Malphite. Prenez le kill, s'il vous plaît. Olaf qui va trade kill, mais on a un Ziggs absent là. Ah, c'est dommage parce que la réponse était satisfaisante. Déjà, prendre la T1 mid c'était pas mal parce qu'ils avaient les shutdowns dessus. Clairement, clairement. Mais. Ah, Mais continue comme là, ça. ils ont fait une très très belle rotation les WTS avec notamment ce gosse sur la Nila qui a été claqué instantanément, qui a laissé très très peu de temps au HOB. Et au final, une Cassio qui nous fait une game exemplaire aussi, là au bon moment. Et du coup, C'est ça prend la T1 top. propre. Ça va tomber toutes les T1. Le Nash qui apparaît dans une minute. Bon, je pense qu'ils seront là en premier aussi sur l'objectif. Ils ont énormément d'avance. Donc, ils peuvent se permettre de faire beaucoup de choses. Et là, Nila, mine de rien, qui a l'air de très très bien fonctionner, hein. Après, est-ce que ça scale si bien que ça, Nila? Pour Je. avoir joué contre, pas Tu. été de box à scale. Parce que pour le coup, c'est short range, hein. Ouais, mais même si c'est short range, en fait. Bon, en fait, imaginons, elle est au CAC de n'importe qui. Je pense qu'elle en fait à n'importe qui. Ah ouais. Surtout en late. On va voir le Olaf qui se fait plaisir au top. Et il est obligé de. Forcer la présence de deux adversaires hein, sur lui, sinon c'est une autoroute. Attention parce que là on va all-in pour le Xin, on va tout mettre, la Cassio qui. Et c'est le burst! Il va prendre les 700 gold! Attention le sustain sur la Cassio, ça passera pas! Ça va très kill, mais. C'est à quel avantage tu dirais? C'est quand Ça même donne une 700 gold introduction, hein! donc c'est pas. 700 gold Je sur sais ce pas. Xin Zhao, ouais, c'est avantage Olaf, hein, je dirais. On a Ouais. juste claqué le flash sur Olaf. Ouais, c'est avantage Olaf en 1 contre 2. C'est dommage que on ait rien forcé sur l'imbap, mais en même temps, c'est compliqué. Après, tant qu'il y a Snashor pour les HOB, l'espoir est en vie. Attention, parce que cette Nila, elle se fait attraper. Elle va flasher directement après sa Shockwave. Le blob qui va repartir. Attention à la Cassio qui peut trade back. Ah Elle non, peut elle flash a pas ulti, encore rien, elle a peut-être. pas encore rien, elle peut Ouais, encore elle peut engage. flash ulti, elle a touché un Q. Le Zac super bien joué. Et finalement, on a une Cassio qui est divine. Le Ziz qui se repositionne très très bien. Et Et attention au Olaf, hein, il récupère bientôt son ulti. C'est pas le moment de clairement. mourir, je pense. Le Il y Xin aura maintenant. un Le Xin, j'ai Malphite l'impression qui qu'il a push démarré top. Snashor. Ouais. Il a démarré Ok. Snashor. Est-ce que c'est vu? Est-ce que c'est vu? Ils ont peut-être de quoi le contest, hein. Il Ouais, faut y croire, j'ai il faut le l'impression faire. qu'ils ne s'y attendent pas. Ouais, je me demande, que fais-tu, Malphite? Il n'y a plus de CS. Ok, bah ça va être Nashor. Aïe aïe aïe, petit break là-dessus. Petit break pour les WTS, c'est brillamment joué de leur part. Oh, attends, qu'est-ce que je vais voir? Le Malphite a eu le temps de back. Ah, c'est tellement dommage. Ah, c'est dommage, c'était un free kill. Et du coup, ouais, il y a pas, je vois pas de réponse de la team HOB. Ah ben là, c'est avec autant de retard, c'est compliqué. Mais attention, on a peut-être un Nautilus qui a une idée derrière la tête ici. Il va tenter un all-in, on le voit pas, donc ça doit pas fonctionner. Non, le Malphite qui tente le all-in sur Malphite, le il part en Ziggs. V2. Est-ce qu'il a son Z, le Ziggs? Non, il l'avait plus apparemment. Et ben il prendra un kill gratuitement. Enfin, Ouais, ça il coûtera a de 3 levels l'ulti, mais bon. d'avance là sur le Zac, je pense qu'il ne perd jamais. Ok, Zac qui donc le Zac s'extirpe. obligé de battre en retraite. C'est ça, et là. Le trap sur Nautilus, il a le red trinket, mais ça.
ça procra assez tard. Quoique il a tanké, le Olaf qui essaie de l'aider, mais du coup c'est lui qui sacrifie. C'est. On est à bout d'idées, à bout de souffle. Hein. C'est ce que je te Clairement. disais, hein. Nila, Okirk, de n'importe qui, même le Olaf. Bon. Clairement, et. Il a disparu. Il se malfite bien C'est. qu'il ait souffert sur la lane. Ben, il est costaud. Très très costaud. Il se permet même de faire deux items en même temps, je crois. Ouais. Il fait quoi là? Et Il je fait pense quoi que. En t'épineuse fait, il a pris et. l'anti-heal, Et. mais il va pas le compléter. Ouais. Ouh, le flashade de Cassio ulti! Ça peut être là! Ça peut être là d'où elle vient la lumière du côté HOV! Et non. Pas du tout. Petite clim. Et donc du coup WTS qui prend l'âme, donc franchement c'est vraiment bien au niveau des objectifs, c'est comme la dernière game, c'est très propre. Très clairement. Et t'as vu, ils ont tous de l'anti le côté raid. Hein. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, bon, il y a Zac et Olaf, mais. À part la J'avoue. DC d'ailleurs. T'as vu, ils ont 4 anti. C'est vraiment. Bon, je pense que Malphite, c'est prévu comme ça. Mais du coup, tu vois, sur Ouais. Cassio, je trouve pas ça. C'est peut-être, ouais. Un peu over anti, on va récupérer 2 kills. Là, ça devient une boucherie. Hein. Il leur marche un peu dessus. Et attention, il n'y a pas de CS. Alors, je sais pas s'ils savent. Ok, bon, ils ont l'air de d'être au courant de ce qu'ils font. C'est vrai qu'il tombe bien quand même. Alors, il y a un Je petit sais pas debuff combien il a d'armure avec les d'armure. CS, donc Ah vraiment, donc n'hésitez il pas. a. Attends, tiens-toi prêt, il a 666 d'armure. Voilà. Ah oui. Oh. Ah oui, c'est 666, vraiment. Oui. Il est envoyé par Satan, c'est pas possible. Et on voit Pushbot tranquillement pour les WTS. Est-ce que ça va être Contest Will? Olaf qui essaie de trouver le all-in. Le Zac super combo. On essaie de tout mettre sur cette Cassio. Il faut la shutdown. Mais l'ulti va tomber. Le regard de la Méduse. Et ça va prendre des kills. Des deux côtés. Mais surtout pour l'équipe des WTS qui va clean up. Tout ça va être un 4 pour 1. Triplé de Ouais. Cassio. Ils ont 0 mort pour réussi sa à. part. Ils ont quand même 11-0. réussi à shutdown hein, la Nila, mais bon, à quel prix? Clairement. Au prix de deux inhibiteurs, voire la game? Je ne sais Ah, pas. je me demande s'ils auraient pas pu finir là-dessus. Là, du coup, ça va être compliqué si on laisse cette Xin. Ok? Il engage le Malphite. Le Malphite qui engage, mais il n'y a pas les dégâts. Mais le Xin est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Et est-ce que ça va être une game? Est-ce que ça va être une fin de BO? Je suis pas certain. On prend un peu de dégâts de la tour. On Non, va devoir ça veut reculer. jouer clean, ok. Ça va devoir reculer. Et ouais, cette Soul qui apporte encore plus de confort dans ces teamfights pour les WTS. Back général. Hop, un petit raid pour le Xin. Petit raid pour la Nila. Malphite, il faut back. Non, ah non, ok, fais les raptors, pardon. Et J'ai convoqué là. probablement l'item. C'est sûrement ça. Et voilà du coup. Le. Attends, mais il peut même pas l'anti, il a fait. Bah, égide solaire du coup. Ouais, c'est clair. Et anti de niveau 2 complété sur Lulu. En face, ils aiment vraiment pas l'île. Hein. C'est Ouais. parti sur 4 anti-heal. Ok. On a le all-in de Nilah sur le Olaf. Ok, le Ragnarok qui lui aurait été utile pour partir. Et là, ça va être un Ashor, hein. Un Ashor qu'on va pas pouvoir contester pour les HOB. Ne donne aucune porte de sortie, j'ai l'impression.
Ça joue très très clean. Clairement, ça joue slow. Pas de risque. On flippe pas, on flippe rien. Et là, on va se diriger vers la voie du milieu. On va essayer de finir avec deux lanes, deux inhibs peut-être. Ce Malphite qui hésite peut-être à. Ou sinon, il a déco. Ok. Il rejoint ses alliés à coup d'ulti. C'est plus rapide. Ouais, mais la game est finie depuis bien longtemps. Ouais, ils peuvent en faire J'ai un, hein. Mais l'impression. là. Et c'est le barreau d'honneur. Le barreau d'honneur sur le Nexus pour l'équipe des HOB, mais c'est compliqué. Ils sont trop stat check et ça va être des kills à foison pour les Watsum qui vont récupérer les deux T4 d'un coup et le Nexus et le BO. Super victoire 2-0 clean. Cassio qui finit en 12-0-12. C'est une super perf. Ouais, ça a très très bien joué les teamfights, c'est exactement ton jeu C'est. qui m'a plu. Franchement. Que de belles games qu'on a vu. Qu'on a vu à l'instant. Et ça va être un 2-0. Ben, deux très belles games, franchement. Ouais. Watsum, pardon, qui enterre les. Enfin, Harmony Obscene. Franchement, cette game-là était Wow. très convaincante. Ils ont eu tous les objectifs. Je crois qu'ils avaient 14K gold à 30 minutes de jeu. Enfin, franchement, c'était très très clean. Clairement, ouais. Ils ont laissé aucune porte de sortie. Enfin, comment dire, dès qu'il y avait un risque, ils ne le prenaient pas forcément. Ils jouaient les objectifs. Vraiment, bien joué. Non, ben bravo, bravo à Todos, Todos, Todos. C'était deux très belles games, franchement. Tac, deux très belles games qu'on a eues. Et du coup, nos fameux Watsium qui affronteront les LS Castellane, je crois. Hop. En demi-finale, du coup. Ils sont qualifiés en demi-finale, ça va arriver très très vite. Hein. Division 11, restez connectés. Et ouais, attention, est-ce que ça va pas forcer le ban Cassio tellement Romix a été convaincant dessus? Il faut voir. Il faudra voir, forcément. Mais non, très belle perf collective. Je pense que le graphique des golds. C'était un peu les montagnes russes vu leur early game où on a cru que ils allaient prendre l'avantage. Mais voilà. Et en plus ils la jouent que 3 fois par mois. C'est finito Vel'Koz. Non, à voir. À voir. Je pense que Vel'Koz est pas si mal dans la méta. Genre, ça a quand même des arguments. C'est un pick très costaud quand même. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter, Tutur? Oui, en vrai, ça Non, va. pas vraiment, non, je rien, rien à dire. Ok, et ben dans ce cas-là, on va vous laisser. Merci pour ce BO, merci aux deux équipes. Clap clap. Clap clap à vous deux, à vous 10, aux 10 acteurs. Et à bientôt, je suppose. C'était la Division 11. La suite des playoffs de Division 11, ça sera en demi-finale. Il reste 3 matchs. Tout simplement. Je crois que le premier quart de finale est passé. Et donc voilà. Merci bien pour les games. Pas de problème pour le cast, c'était un plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois. Je te laisse le mot de la fin, tutur. Mais bisous à tous. Bisous à tous. Magnifique. À la prochaine. Ciao, ciao.